Oui, donc excusez-moi, donc là vous voyez, ce gars qui c'est le plus vieux, mais il a toujours sa petite poule. Et j'aimerais bien que une poule fondeuse me fasse des poussins. Voilà. Et autrement, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'acquérisse d'autres animaux. Voilà. Aussi, j'ai tout pour projet, soit d'acheter une couveuse ou d'en fabriquer une. Donc là, il y a l'œuf, hein. C'est un œuf de poule soie. On va vite fait aller voir les petites tortues qui hibernent. Cet été, franchement, dites-moi dans les commentaires. Je pourrais tout vous filmer sauf dans ma maison, j'ai pas le droit. Donc voilà. On va aller voir mes petites tortues. Voilà. Elles sont là-dedans, on les voit pas, hein, mais voilà. On les voit pas trop. Donc voilà, excusez-moi pour ça, c'est qu'il y a des petites filles, j'ai pas le droit à l'image. Donc là il y a ma tondeuse aussi cet été. On me filmera dessus en train de passer la tondeuse. Voilà. Bon bah j'ai tout. Et aussi dites-moi dans les commentaires, là j'avais vite fait aller vous montrer. J'allais vous montrer mon jardin. Là c'est le jardin de ma mère. Donc voilà. Et voilà, c'est le jardin de ma mère. Et autrement, je vais venir vous montrer le jardin de mon père. Et donc oui, donc cet été, on va me filmer en train de passer la tondeuse. Et vous me dites dans les commentaires. Mais normalement, je vous ferai les nouveaux arrivants, les vidéos. Et les carolins aussi, si vous allez me dire. Si j'ai pas de carolins, en tout cas, je vais reprendre des oies. Donc voilà, là, je vais vous montrer. C'est elle, la poule du... Donc lui, c'est le... Lui, c'est pas le dominant, en fait, hein. Il s'est fait battre. C'est elle la poule du coq à lui. Voilà. Là il y a mon petit poussin. Dites-moi il va ressembler à quoi? J'aimerais bien avoir des splats. Et dites-moi aussi les races de soie, ce que je pourrais avoir maintenant comme nouvelle soie. Parce que j'aimerais bien me spécialiser dans la soie, mais de la soie naine. Parce que je pourrais plus faire d'enclos pour faire de la soie de grande taille. Donc voilà. Et puis aussi mes parents ils sont un petit peu vieux donc on voit plus trop d'animaux. Et donc voilà, je vais aller vous montrer vite fait le jardin mais là il est tout nul. On va le refaire au printemps. Je vais vous montrer mon cochon et mon bouc. Et ma petite pépette. Donc là il y a mon bouc. Hein. Comme toujours. Là il y a ma truie. Et là il y a pépette. Donc le coquin, on va voir quand il va sentir un œuf. Il est un petit peu bête. Voilà. Donc franchement, dites-moi les thèmes de vidéo. Là, il fait que de me suivre. Il a faim. Et t'as déjà mangé ce matin. Eh oui. Donc, voici mon jardin. La moitié d'un hectare, je ne sais pas combien. Là, il y a le foyer de mon âne. Voilà, dites-moi les thèmes de vidéos, mais ça sera que sur les volailles. Mais, et aussi, dites-moi dans les commentaires les animaux que vous voulez que j'atterrisse. Mais comme je vous dis, mes parents ils sont un petit peu vieux. Donc, du coup, normalement, pas beaucoup d'animaux. Des poules soie, ça je pense que je vais en acquérir. Canard, j'aimerais bien, mais des coureurs indiens ou des colverts. Et je m'en fous s'ils font. Moi, mon but c'est pas de faire des concours, donc je m'en fous si. Ils sont pas pour les concours et tout, vous me direz dans les commentaires, ça je m'en fous. Mais dites-moi dans les commentaires les races de poules soie qu'il y a. Je sais qu'il y a du splash. Mais après, je connais pas bien les croisements. Donc expliquez-moi. Et voilà. Bon, là, il y a mon petit poussin. Il est. Maintenant, il est en liberté. Il commence à prendre un petit peu de la confiance. Hein. Il s'est un petit peu attaqué par les autres. Et aussi, je trouve que. Bah, il va souvent là avec sa maman, normal. Mais voilà, sa maman. Sa maman elle tape un petit peu, c'est ça que je remarque, elle tape à... je sais pas trop, elle l'aime plus trop. C'est bizarre, c'est... Expliquez-moi aussi, je veux savoir. C'est que sa maman en fait, bah, elle va avec lui, elle suit tout. Dès qu'il trouve à bouffer, voilà, elle reste avec lui, elle protège, elle lui donne chaud. Et oui, donc voilà. Sauf que 30 secondes après, elle attaque un petit peu. Et les autres poules, elles aiment pas trop quand elle attaque. Et puis autrement, il a pris aussi pour maman la petite poule noire là, que vous voyez. Et voilà. Et franchement, je m'excuse pour mon absence. C'est que je ne suis pas toujours là, je suis dans un internat.
Et je suis pas tout le temps là. Voilà le magnifique coq. Et aussi, j'ai pour projet. Dites-moi, vous préférez avoir quoi? Donc, regardez-les bien. Regardez-les bien parce que ce coq-là, ces deux coqs-là, plus le coq là-bas. Bon, on le voit pas trop, mais voilà. Là, il y a mon petit coq choc avec qui vient de chanter. Plus. Là, le gros coq. Plus ce coq-là, là. Ça va partir, normalement. Et donc, c'est sûr, je vais m'acheter un sucette. Et le gros sucette fermier ou sucette fait plus grave. Et dites-moi, comme deuxième coq, vous voulez quoi? J'aimerais bien avoir un coucou. Mais dites-moi, franchement, dans les commentaires. Je sais, vous allez avoir plein de trucs à me dire. Dans les commentaires. Ou peut-être un cendré, mais c'est sûr, un suce. Là, il y a mon petit coq-là, vous voyez, qui lui répond. Ça va être là, ça va être les champs pendant des heures. Là, il va appeler ses poules. Et voilà, il va essayer de s'accoupler avec la maman. Et donc, dites-moi dans les commentaires. Voilà, il chante magnifiquement, mon coq ça. Donc, dites-moi dans les commentaires. Déjà, si vous avez un petit peu marre, je vous dis, dites-moi dans les commentaires. Désolé de mon absence. Et puis, dites-moi aussi dans les commentaires, vous préférez quoi comme coq? Que j'ai un coq sucette, ça c'est sûr, j'en avoir un. Que j'ai un coq. Un sucette, normalement, c'est sûr. Parce que je vais les donner à mon prochain lieu de stage. Le monsieur, je le connais très bien. Et donc, du coup, voilà. Et après, par contre, ce que je vais avoir. Donc, du coup, après, je vais avoir quoi? Un sucette. Excuse-moi, je suis pas très concentré là. Donc, je vais prendre un sucette. Et après, comme deuxième, je ne sais pas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà. Sucette, c'est sûr. Après, dites-moi. Alors, le monsieur, il a du marron. Il peut avoir du cendré, mais il doit avoir une 500aine de marrons, de sucettes. Voilà. Et aussi, je vais peut-être racheter des clapiers où je vais me servir de ça, de la base, je vais les démonter. Et je ferai une cabane, je verrai. Et du coup, peut-être pour mes carolins. Et oui, pour ceux qui s'intéressent, excuse-moi de changer vite fait le sujet, à la mécanique et tout, vous me dites dans les commentaires, parce qu'on va refaire la. Ça, on va faire la cabane pour la tondeuse que je vous ai montré. Et donc du coup, voilà, on va faire la cabane. Et normalement, je vais utiliser ça pour mes battes, normalement pour les carolins et tout. Et voilà. Et donc, excusez-moi si mes vidéos elles sont longues, hein, mais j'en fais pas souvent. Je suis là que les week-ends par mois, donc j'en ferai le prochain week-end. Donc voilà. Puis dites-moi franchement si vous aimez bien mes vidéos. Et puis là je parle spécialement à l'élevage de Damien et d'Esteban. Moi je les adore, c'est mes préférés. C'est mes préférés eux. Et donc voilà, donc refaites des vidéos les potos, vous êtes franchement mes préférés. Vous êtes des cracks. Alors continuez comme ça. Parce que je vous adore. Là, je viens de trouver un œuf cassé par terre, donc je viens de leur donner. Et il n'y a que les deux coqs parce que les poules elles en portent. Il y a mes petites oies, elles c'est mes princesses, elles mes. Oh là, je les adore. Voilà, elles sont trop belles. Je compte peut-être acheter des oiseaux.